Heureusement que mère et sœur étaient là pour s'occuper de Cassandre. Je n'étais plus du tout l'homme de la situation. J'avais l'impression d'assister à un exorcisme. Si jamais t'es vraiment pressé, tu peux toujours faire une épisiotomie. C'est un peu salope. Et en plus, à la fin, il faut que tu recousses, fait que c'est pas sûr que tu gagnes vraiment du temps. Bon, ben c'est parfait. Je t'amène en salle d'opération, je vais t'initier à ta première césarienne. Montrer comment on accouche, moi. T'es prête, ma belle. Le soleil va se lever. OK, Cassandre, pousse. Pousse, t'es capable. Pousse. Vas-y, ma belle, pousse à travers la douleur. Pousse. Pousse. Allez. Pousse, vas-y, pousse, donne-moi tout ce que t'as. Pousse. Pousse, Cassandre. Pousse. Je le veux, cet enfant-là. Pousse. Je le veux maintenant. Vas-y, t'es capable. Oui. Vas-y. Pousse. OK. OK. Doucement. 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 La tête. La tête est là. Ça y est. Lorsque j'entendis mère crier, c'est un garçon! Je faillis moi aussi m'évanouir. En quelques secondes, ma vie se résuma dans ma tête. Je me revoyais là, à la place du petit, 30 ans plus tôt. Coupe le cordon! Non, je te laisse. Bravo, Cassandre!